Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, ça, là, ça, c'est parce que Loulou, hier, il a essayé de m'arnaquer. Hier soir, il a vidé le lave-vaisselle et il a fait genre, il a oublié de ranger les couverts. Ah là là! Recoucou! Alors, je vous retrouve après manger en plein soleil, enfin presque. J'ai baissé le volet pour pas l'avoir dans la figure parce que dehors, alors il fait très très froid. Par contre, il y a un grand soleil qui est juste magnifique. Alors, je voulais vous dire deux trois choses. En premier lieu, j'ai reçu un colis que je vais vous montrer dans 2 minutes et j'en profite pour du coup vous dire que ça y est, hein, j'ai fait les tirages au sort des concours, enfin des Vlogmas du mois de décembre et j'ai vraiment envoyé tous les mails aux personnes qui ont été tirées au sort. Donc normalement, vérifiez bien votre boîte mail et votre boîte aussi spam pour être sûr de ne pas être passé à côté du mail. Et j'ai quelques mails qui sont restés sans réponse. Donc j'attends jusque fin janvier. Et si vraiment en février j'ai pas de réponse, je referai un tirage au sort pour les lots qui n'ont pas été réclamés. Donc voilà, ça c'est dit. Donc si vous n'avez pas eu de message, c'est que pour le moment vous n'avez pas été tiré au sort. Mais voilà, je vais refaire des tirages au sort si certains lots ne sont pas réclamés. Donc je vous le redirai à ce moment-là, bien entendu. Et donc je voulais en profiter pour vous montrer ça. Alors j'ai reçu ce colis aujourd'hui qui vient de chez Octoly. C'était une paire de lunettes. Alors faut savoir que j'ai donné une de mes paires de lunettes anti-lumière bleue à mon loulou parce que comme il est pas mal sur les écrans, il en voulait une. Et celle qui avait du bleu en fait en dessous, je me suis dit que c'était mixte et que du coup je pouvais lui donner. J'en ai profité pour demander un autre modèle un petit peu plus. Alors l'autre était classe, mais là c'était encore un petit peu plus classe. Sauf que chez Octoly, ils se sont trompés en fait. Quand j'ai ouvert, je me suis aperçue que c'était le même modèle, celui avec écaille en haut et bleu en bas. Du coup, plutôt que de l'avoir en double et c'est pas drôle, j'ai pensé que j'allais plutôt vous proposer de le faire gagner. Donc, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Comme d'habitude, vous cliquez dessus et vous pouvez aller sur un autre site pour participer au tirage au sort. Je ne sais pas encore quand est-ce que, enfin combien de temps je vais laisser le concours, tout ça, mais ce sera marqué dans les conditions générales du concours. Et donc bah voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est donc une paire de lunettes en fait spécialement pour filtrer la lumière bleue des écrans. Donc il n'y a pas de correction pour les yeux. C'est vraiment juste pour la lumière bleue. Mais voilà, si vous êtes souvent sur un écran et que vous n'avez pas besoin de correction, ça peut être sympa à tester. Ça évite la fatigue des yeux en fait, donc c'est assez chouette. Et c'est tout pour ce que je voulais vous dire par rapport aux histoires de colis, facteurs, concours, etc. Donc je reviens tout à l'heure. Je vous retrouve à mon bureau parce qu'il est 16h32. Entre temps, j'ai essayé, j'allais dire tâché, non, j'ai essayé de filmer une vidéo pour samedi. Je pense que j'essaierai de la mettre samedi, à condition que je ne sois pas obligée de la refilmer, parce qu'en fait je me suis aperçue en arrivant sur la fin que le grand soleil qui était là 20 minutes auparavant était parti. Donc c'est devenu tout sombre et parfois on arrive à rattraper le coup avec le logiciel de montage et parfois c'est trop burk, on n'y arrive pas, on s'énerve mais on se dit ouais laisse tomber, on va la refaire. Donc jusqu'à présent, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Une seule fois depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Mais là pour le coup, c'est vraiment passé de très lumineux à très très sombre. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bien entendu, vous le saurez si vous avez la vidéo samedi. Ou pas. On verra. Et du coup, là le temps de justement d'aller voir les images, hein, d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite ce sera l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc je vous retrouve après l'école avec eux. Et voilà, on vient juste de rentrer de l'école et je voulais demander à la puce comment ça s'est passé aujourd'hui. J'ai même pas pris le temps d'enlever mon écharpe, mais quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça va, tranquille? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau à l'école aujourd'hui? On a fait des calculs, on a travaillé les contraires. Des contraires, oui. Oui, on a regardé un film vidéo. Sur quoi? Sur Louis XIV et tout ce qui était d'avant. D'accord. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que c'était fait avec Jamie, celui de C'est pas sorcier, et aussi l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je me souviens plus non plus. Moi non plus. Dites-nous si vous savez comment il s'appelle. Et t'as mangé quoi à la cantine? Alors en entrée, il n'y avait pas de pois chiches, donc j'ai pris des petites pâtes. Pas de pois chiches. Oh, c'est dramatique. J'ai pris des pâtes avec des petits bouts de saucisse coupés en rondelles. Oui. Après, ce qu'on a mangé, c'était bon. C'était bon? Oui. Non. Si. Qu'est-ce que c'était? Pâte à bolo. Pâte à la bolognaise, ouais. Et Loulou, t'en as pris toi aussi des pâtes à la bolognaise? Mais où est-ce qu'il est?
Eh Loulou, enlève le casque hein. Bref. Non, normalement il doit pas être en train de jouer à cette heure-ci. Il a pas le droit, on est jeudi soir. C'est pas possible, il le fait exprès. Bon, et un dessert? J'ai pris du fromage avec du pain. Du fromage avec du pain? Ok, c'est bien, c'est pas mal comme dessert. Bon, une bonne journée alors ce jeudi. Oui. Ok, bon, je vais aller voir ce que fait Loulou pour pas m'avoir entendu quand j'ai parlé fort. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas entendu? Non. Pourtant, j'ai presque crié. Je voulais juste savoir si toi aussi t'avais mangé les pâtes à la bolognaise. Oui. C'était bon alors? Mais attends, c'est merveilleux, deux fois bon dans la même semaine. Oh, c'est une croix sur le calendrier. Ouais, ah, c'est une méga grosse croix sur le calendrier. Et sinon, comment ça s'est passé ta journée, super toi? Super bien. Super bien. On nous a dit les récompenses qu'on a eues. Oui. Pour le semestre. Oui. Et c'était super. Pourquoi t'as eu quoi? Tu travailles bien toi? On peut dire ça. Ça va? Non, ça va. Franchement, je le taquine, mais on est content de ses résultats à l'école. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais qu'est-ce que t'écoutes là? La ça chute. T'es en train de regarder une vidéo? Oh oh, bon je te laisse. Oui, donc j'ai laissé regarder sa vidéo parce que je sais pas si vous avez entendu, je pense pas que vous aviez vraiment le son vu que c'était assez loin. Mais je sais pas ce que faisait la salle dans sa vidéo, mais il commençait à hurler en fait. Donc je me suis dit oh là là, je m'en vais, ça va faire trop de chantier tout ça. Du coup, ben là il est déjà 18h. Moi j'ai pas goûté aujourd'hui, j'ai un petit creux, j'ai quand même avalé un petit truc avant que le chéri revienne. De toute façon on mange en général plus vers 19h30, 20h que 19h. Donc j'ai un petit peu le temps encore, du moins j'ai m'accordé le temps. Et ben c'est tout pour le petit vlog du jour. Entre temps j'ai la vidéo d'aujourd'hui qui a été publiée et j'ai vu que vous aviez commencé à nous mettre plein de questions pour la foire aux questions. Donc merci, vous êtes trop chou. C'est en quelques minutes, il y en avait déjà waouh énormément. Je sais même pas comment on va se débrouiller. Peut-être qu'on va devoir en faire plusieurs en fait, des vidéos réponses foire aux questions. Ce qui serait vraiment trop bien, c'est qu'on puisse le faire en live, mais j'y réfléchis tout l'après-midi en fait et moi j'ai trop envie de le faire, mais la connexion internet elle a trop pas envie de faire ces choses là, donc j'ai juste peur que ça plante plusieurs fois, que ça freeze, que ça marche pas bien, que ce soit super décalé voix, image. Donc c'est vraiment le gros point négatif bah, là où on est, c'est que la connexion en fait, j'ai jamais eu une connexion aussi pourrie, c'est vraiment le mot, que depuis qu'on est ici. Ça aussi ça pourrait faire partie des petites choses qui mises bout à bout pourraient faire qu'un jour on finisse quand même par chercher notre maison. En fait pour tout vous dire on regarde de temps en temps, mais c'est ce que je vous disais la dernière fois, jusqu'à présent il n'y en a pas, ça doit pas être la bonne saison, je sais pas, ça fait plusieurs mois qu'on regarde et on trouve pas spécialement de maison qui pourrait correspondre, en sachant qu'en plus on veut aussi le facteur bonne connexion internet. Et ça c'est pas évident. Donc enfin selon les endroits où on habite hein, toujours pareil, mais vers chez nous là c'est pas toujours le cas. Donc du coup je vais arrêter cet e-vlog pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain je vous envoie plein de gros bisous. La puce est pas là. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.